Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme vous voyez sur Pikmin 3 Deluxe version démo. Donc on est sur Switch, donc un jeu qui était sorti à l'époque sur Wii U. Moi j'ai joué qu'au tout premier sur GameCube, j'ai pas joué aux autres Pikmin, hein. Vous voyez, il y avait un mode de joueur, je l'aurais bien fait, mais bon, avec les horaires de boulot et tout, c'est pas facile, puisque là je suis le seul à être réveillé. Bon, j'ai un éclairage assez faible, là. J'ai mis un projecteur, on le voit d'ailleurs là-bas, mais j'ai tourné les ailettes du projecteur, parce que sinon ça me fait un espèce de halo de lumière sur la tronche, là, c'est pas très très... très très agréable, même avec l'effet de transparence après, donc j'ai préféré faire ça, tant pis, c'est pas le plus important de voir ma tronche. Donc on va se lancer la démo, on va découvrir ça tranquillement, c'est aussi un moyen d'alimenter un petit peu la chaîne, parce que je pense que j'achèterai pas le jeu, il sort à la fin du mois, et là, ce mois d'octobre, il n'y a pas grand chose qui sort. J'ai un projecteur à vous faire de la marque Blitzwolf, qui est la marque du petit récepteur Bluetooth qu'on avait fait déjà en vidéo. Donc j'ai un projecteur de la même marque à vous faire. Et puis peut-être à l'avenir d'autres produits de cette marque, on verra. Mais déjà ça, donc je vais peut-être vous faire une vidéo sur ce projecteur, je sais pas, je verrai. Ça fait quelques semaines que je l'utilise, un petit peu. Donc je vais peut-être pouvoir vous en parler. Ensuite, ce sera le mois de novembre qui sera chargé. Alors, il n'y aura pas de PS5 ou de série X, sauf grosse surprise, mais je pense que non, sur la chaîne. Mais il y aura du PC, parce que normalement, si tout va bien, changement de carte graphique à la fin du mois, donc on verra, si je peux, hein, si je peux financièrement, mais normalement, j'avais à peu près calculé mon coût. Donc, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Et donc les prochaines grosses vidéos, elles arriveront sur PC. Pour ce qui est de la PS5 ou de la Xbox, mais ce sera sur mon PS5. On attendra au moins l'été prochain de voir déjà des jeux arriver, clairement. Et puis de voir un petit peu le recul, un petit peu des gens et tout. Je suis jamais trop pressé, moi. Surtout que les jeux, mis à part quand la suite de God of War ou Gran Turismo vont sortir... Le reste des jeux, je vais l'avoir sur PC. Donc voilà, je suis pas. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé. Je vais me mettre un petit peu de son parce que là j'ai pas de son. Vous voyez, j'ai pas d'oreillette ou de casque là. Avec la configuration Switch, c'est un peu plus compliqué. Il me faudrait une grande rallonge jack. J'en avais une avant qui a été cassée. Donc là, j'en ai plus. Pourquoi moi, Pikmin, j'ai joué qu'au premier. Hein, donc vraiment. Donc là, c'est vraiment un portage de la version Wii U. Alors, il l'appelle Deluxe, je ne sais pas ce qu'il y a comme ajout. Étant donné que j'ai pas joué. Ok. Étant donné que j'ai pas joué à la version Wii U, je me suis pas trop renseigné. Normalement. On va pouvoir les contrôler. Alors là, j'utilise la manette pro, donc je suppose que aussi on utilise les. Je suppose qu'en utilisant les Joy-Con, y a moyen d'utiliser de la reconnaissance de mouvement, je pense.
Voilà, donc là. Là, vous avez déjà le principe de base de Pikmin pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. Vous envoyez vos Pikmin au charbon à votre place. Après, vous les rappelez juste. Faut les rappeler juste quand vous avez besoin. Ah, on peut recentrer la caméra. C'est pas mal. Ok. Mais après la caméra, je vous rassure, on peut la tourner. Hein. Je vais tous les envoyer, ça va aller plus vite. Je vais en garder quelques-uns avec moi. Ah, n'attaquez pas tout, ça sert à rien. Donc là, j'en ai 25, je peux en prendre jusqu'à 30. J'en ai 25. Après, il y en a de différentes espèces qui ont des caractéristiques différentes. Après, je pourrais pas vous en dire plus puisque j'ai pas fait les autres versions du jeu. Une grosse bait, on dirait. D'ailleurs, c'est pas... Comment il s'appelait? Olimar? Olimar, il s'appelait, je crois. Le personnage, c'est pas lui. C'est pareil, il y a peut-être une explication que j'ai pas parce que je... Parce que j'ai pas fait le 2 et le 3. Du coup, peut-être que c'est un personnage qu'on voit dans le 2. Ou alors peut-être qu'il est là, effectivement, aussi. Et qu'on va jouer plusieurs personnages. Ah ouais, t'es encore en vie. Enfin, on trouvait des pièces du vaisseau, non? Comme les précédents. Bon, après, on peut, vous voyez, on peut vraiment rien faire si on n'a pas de Pikmin avec nous. On va avancer. Ouais, on peut verrouiller les cibles, c'est pas mal. Alors regardez devant avec ZL et autour de vous avec R. Bah, allons-y. Non, je peux pas y aller comme ça.
Comment eux reviennent? Ils ont sauté là? Ok. On peut pas cibler ça spécifiquement. On va pas se retrouver bloqué là quand même. Ah non. Toi, rejoins-nous. Il m'en faut 12. Effectivement, là. Ah non, il y a 12 morceaux. D'accord. Je croyais qu'il m'en fallait 12, mais non, non, c'est bon. Il y a 12 morceaux. Donc, normalement, voilà, on peut. Et donc, ah voilà, j'ai plus besoin de leur dire, ils le font tout seuls, donc bah voilà, globalement, comment ça marche? Après, évidemment, plus vous avez de Pikmin, plus ça va vite, là, pour faire ce genre de choses. Mais là, ils sont 4 en plus, il reste 4 morceaux. Voilà, ce qui est bien, c'est que là, vous apprenez vite comment la mécanique de gameplay fonctionne, je sais pas jusqu'où va la démo. Mais en tout cas, va venir avec moi, petit gars. On va aller par là. On va ramasser son iPad appareil photo switch là. Je sais pas si en mode portable écran tactile est utilisé, parce qu'en plus c'était une version Wii U à la base, normalement avec le gamepad. Il devait y avoir quand même. Il devait y avoir quand même des fonctionnalités tactiles. À quoi ça servait ces trucs-là, je me souviens plus. Ah, ça va dans leur vaisseau, je crois, là. Chercher les autres. Les nouveau-nés. Allez, on va tous les déterrer. Ah, ça va, on n'est pas obligé de. De se taper les animations et tout. Allez. Laissez-moi la tronche de ces bestioles. Je sais pas où est-ce qu'il les emmène. Il les emmène au vaisseau aussi, ces trucs-là. On va les voir. Donc ça aussi, ça peut donner des Pikmin. C'est pas mal. Tenez tout cela, on va déterrer vos petits copains.
Là, on commence à avoir un groupe intéressant. Bah, 16, vous voyez, fait le maximum visiblement ici. Là, c'est mort. Il en faut 20. Allez-y les gars. Qu'est-ce qu'ils font les autres là? Ah, ils voulaient pas suivre. Bon, en fait, j'avance pas beaucoup là. Je pense que je perds beaucoup de temps, mais... Après, c'est plutôt sympa. Alors, en coop, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'en plus, c'était possible sur la version Wii U? Je ne sais pas. Là, j'en ai suffisamment. Pour bouger ce carton. Les oignons sont des matrices qui donnent naissance aux Pikmin. Les Pikmin y passent la nuit. Bon, alors, ouais, ça, je m'en fous. D'être intelligent, qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent? Donc on a une autre commande pour lancer des assauts. Pas mal. Bah à mon avis, ce mur, il n'était pas là pour rien. Et je sens qu'on va tomber sur une grosse bait. Ah non. Ou alors la démo va s'arrêter ici peut-être, parce que là on a découvert les bases du gameplay. Hein. Ouais, moi je pense qu'on va arriver à la fin de la démo là.
Ah, donc l'exploration jour 1 est terminée. On va faire suite, mais je pense qu'on va pas continuer. Hein. Ça va peut-être s'arrêter de toute façon. Je sais pas jusqu'où va cette démo. Après, le but d'une démo, c'est de voir les bases du gameplay. Les bases du gameplay, on les a vues. Là, on voit ce qui s'est passé sur cette journée. Bon, du coup, je sais pas du tout comment ça se passe le mode coop. J'aurais bien aimé voir, mais ce sera pas possible là. Après, je verrai. Si jamais je prends le jeu. C'est la vidéo que je ferai, ce sera sur le mode coop. Et si je le prends pas, bah. Tant pis, on verra pas. Mais en tout cas, le mois de novembre sera lui plus chargé, ça c'est sûr. J'ai fait mon planning. Et Il y aura des choses à faire et à voir. Pas mal sur PC. Normalement, il y aura Watch Dogs à la fin du mois, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Parce que si je change ma carte graphique, je crois qu'il est offert avec. Mais du coup, je l'aurai peut-être pas au moment. Enfin, je pourrais sûrement pas le faire le jour de la sortie. Enfin, voilà. Ça va être un bordel. Encore, donc je ferai peut-être une vidéo, mais voilà. Il y aura Dirt. C'est Dirt, normalement, en plus, je vais avoir l'édition. L'édition spéciale qui sort 3 jours avant, donc. Ça, je vais pouvoir. Donc ça, je vais pouvoir faire des vidéos dessus, au moins une. Puis après, on verra, il y a le Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Alors bon, je sais pas, ça c'est... Franchement, c'est pas GG parce que c'est un truc vraiment simpliste. Remaster vraiment simpliste. D'un jeu qui est pas si vieux que ça, donc c'est pas génial, mais étant donné que celui-là, moi personnellement, je l'ai pas fait, je verrai bien. Est-ce que c'est... intéressant ou pas? On va mettre un bossé là, un bossé là. On va envoyer les autocharbons ici. Là, c'est qu'après, il va tout seul déterrer en fait. Vous appuyez une fois et après. Partez tous à l'assaut. Ah, je m'autorise quelques minutes de plus. Je vous avais dit qu'on s'arrêterait, mais... Non, mais... Déjà là... Субтитры сделал DimaTorzok.
Manager Ju Pikmin. Wasaha Mutspa. Formus Chusen Chichusen. Fu Tondong Yuba. On va voir, mais normalement, oui, c'est censé faire une différence. Au boulot tous là. Bon, vous avez fini? Il y a encore un truc là. Et du coup là. Là le pont il est fait. Et ici. Est-ce qu'on peut faire un lasso ou quoi? Non, je ne peux pas. Bon. Pas grave. On va traverser le pont. De toute façon, c'est eux qu'on envoie au charbon, donc on s'en fout. Hein. Ah, on peut l'attaquer par derrière, ok. Ah! On peut se cacher. Ok. Ça, c'est pris en compte. Moi, je vais en avoir pas mal à contrôler, là. Hein. Ça commence à faire une belle armée. On va s'arrêter là, après, parce qu'on arrive bientôt à 30 minutes, donc... J'ai une belle petite armée là. Bon, je m'en doutais, mais mauvaise idée. En fait, on est vachement pris par ça, je trouve, quand on commence. J'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue. On a toujours la jauge là-haut. Pour nous expliquer, enfin, nous parler du jour en cours, enfin, nous donner l'heure du jour en cours. Bon, on va s'arrêter là. Thank you.
Yes, une fraise géante. Ah bah comment faire, comment faire? On verra pas ça aujourd'hui. On va s'arrêter là-dessus, puisque ça fait 30 minutes. Donc, je vous remercie. Et vous voyez, on peut jouer à deux à tout moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas pourquoi encore comme vidéo. Salut à toutes et à tous.